bienvenue. Donc ce coup-ci, on restaure une machette. Pas une grosse vidéo pleine de techniques et de trucs extravagants, mais c'est une petite vidéo, ça sera une vidéo sympa. Parce que il y a du travail, mine de rien. Quand on parle d'un truc tout pourri. Allez, je vous montre ça. Et voilà, ça fait 24 heures que ça trempe dans le vinaigre. La rouille se décroche. Allez, on va rincer ça. Ouais, c'est comme neuf ou presque. Et tout de suite derrière, avant que ce soit oxydé, même déjà ça commence déjà à jaunir, ça fait 3 minutes. WD-40. Et après avoir vidé le bac de trempage, bah, tout ça, c'est de la rouille. Bon, il y a encore un peu de taf. Un peu épais.
Voilà, ceci est un canapé. Enfin, ce qu'il en reste. C'est du cuir. C'est le cuir d'un canapé. C'est du cuir de bonne qualité, bonne facture, de 1,5 mm d'épaisseur, à peu près, 1,4, 1,5, ça dépend. Donc du bon cuir, bon gros cuir. Brun. Donc ça, c'est un canapé que j'ai dépouillé sur un trottoir. Il était mis aux encombrants, et puis j'ai laissé la mousse, toute la merde, mais j'ai gardé le cuir. Et mine de rien, hein. Il y en a pour de l'argent, hein. Quelques mètres carrés. Donc on va bricoler avec ça. Donc vous aurez compris qu'on va faire une housse. Enfin, un étui pour la machette. Plus facile à transporter à la ceinture. Pour aller au marché. Cueillir des bananes. Allez, hop, on y va. Ceci est un rouleau de PVC recyclé. Je vais m'en servir pour rigidifier l'étui et coudre le cuir avec. Bon, j'ai déjà fait un prépli à la plieuse. C'est pas mal. Donc le problème avec une machette comme ça, c'est de la mettre et de l'enlever. Parce que si je couds, ça passe pas. Il faut je ferme au moins jusque là. Que jusque là, peut-être même. Que le bout et le reste passer en manché, donc ça sera tenu avec une sangle, un petit lien. Et d'un côté. Allez, encore l'autre. Et voilà. On fait un petit nœud. Et le deuxième côté est terminé. Bon, faut encore y faire une boucle pour le fermer
et un passant pour le mettre à la ceinture. Alors, pour faire la fermeture, j'ai ces petites choses-là. C'est des petits clips de... J'ai dans un sac plein, des trucs de petites mallettes en plastique. C'est très pratique. C'est blanc, effectivement. Mais ça fait très bien le job. Faire un petit peu de couture. Alors, toujours dans le même esprit, j'ai fait une boucle pour le passant de ceinture. Donc, ourlet de chaque côté, pareil, toujours cousu de la même façon. Donc, je vais pas filmer parce que ça sert à rien. Donc, maintenant, je vais le coudre à l'intérieur de l'étui. Voilà, je peux aller au marché maintenant. Impeccable. Chercher des bananes. Ce serait bien hein, si je pouvais sortir avec ça dans la rue. Et à mon avis, j'irai pas loin.
Et voilà, une machette. C'est ma quatrième ou cinquième, je sais plus. Ok, quand même. Je vais la mettre dans le 4x4, je pense. Parce que dans le 4x4, je vais y mettre des outils. Donc il y aura une machette, une hache et une grosse scie. Pour bah, au cas où il y a un chemin de barré, un arbre à enlever, des branches à dégager. Là où je veux passer, pas de tronçonneuse. Si je fais ça, je fais ça à la main. Pas de bruit, pas d'émission au carbone. Déjà le 4x4, bon bref, voilà. Donc bah, je me suis un peu éclaté sur... j'ai un beau manche. Content, je me suis un peu éclaté sur le tuy. J'en avais pas fait de si beau depuis très longtemps. Pas mal, bien. Une bonne idée de mettre du plastique dedans. Je pensais mettre autre chose, mais ça c'est bien. J'ai déjà fait ça, j'en ai déjà fait avec de l'isorel, avec du lino. Le lino va bien, avec de la tôle aussi, c'est pas terrible, mais c'est assez pratique. Là, PVC comme ça, c'est pas mal. Des vieux restes de ma métier d'avant. Voilà, voilà. Donc, si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous voulez le même, hein, peut-être vous me le demandez. Peut-être celui-là, je ne vais pas le vendre. Si quelqu'un m'en offre suffisamment d'argent, il va falloir être généreux. Hein, je préfère le garder. Donc, si ça vous a plu, vous pouvez me laisser un petit pouce. Si vous voulez me joindre, tous les liens sont dans la description. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, au revoir! Moi, je vais aller cueillir des bananes. Et il y en a pas aussi. Merde.